Eh ben, Didi de Gueyo, on dit quoi là-bas? Maman, chaque matin, chaque midi, chaque soir, Dieu t'avait dit que la vie que tu mènes plus là est une vie des plus dangereuses. Oh oh, tu ne l'as pas compris. D'après toi, tu prenais le gasoil là-haut. Tu te disais, bonjour et bienvenue sur Télé Afrique. Je suis Dadou Henri Joël Zama et nous sommes aujourd'hui à Agboville de nouveau pour visiter un peu, voir un peu l'évolution de la ville et en même temps encore vous représenter encore nos différents terrains que nous avons ici. Actuellement nous sommes à promotion. Promotion c'est tout simplement pour permettre aux gens qui résident en Côte d'Ivoire mais aussi aux Ivoiriens de la diaspora de pouvoir s'acheter au moins un terrain dans leur pays. Voilà, donc là nous sommes à Agboville qui est une grande ville autonome. C'est la grande ville d'ailleurs en Côte d'Ivoire qui est proche d'Abidjan. Donc tout de suite là, nous allons faire juste un petit tour encore. J'ai fait plusieurs vidéos hein, sur la ville. Mais nous allons faire encore un petit tour pour voir l'évolution des chantiers ici à Agboville. Et puis voilà, voir un peu les sites. Donc restez connectés et puis tout de suite c'est parti. Voilà, comme je le disais tout à l'heure dans l'introduction, nous sommes à Agboville et vous voyez là, c'était juste une petite voie, une petite rue aujourd'hui qui est devenue un grand boulevard 2x2. Et voilà, nous sommes au centre-ville. Là, c'est la station Total. Et là-bas, vous avez le marché qui est un peu tout au fond, l'ancien marché. Et puis là, c'est l'église catholique qui est derrière. Il y a eu des nouveaux magasins. Là-bas, c'est le centre-ville, le rond-point. Avec les banques et nous allons faire un petit tour. On va aller sur notre site qui se trouve à Erimakoudje, mais le nom du lotissement c'est Edioye, c'est juste à l'entrée d'Abidjan. Par Abidjan c'est comme ça. Voilà, donc on va faire un petit tour. On a l'un de nos clients qui est venu voir son terrain et en même temps on va encore en profiter pour vous montrer le site encore. Pour ceux qui sont intéressés, nous sommes encore en promotion. Et voilà, ça va permettre à beaucoup de personnes, beaucoup d'Ivoiriens et aussi aux Ivoiriens de la diaspora de pouvoir avoir un petit terrain dans leur pays d'origine qui est la Côte d'Ivoire. C'est pas facile. Ah, merci. Ok, donc bonne arrivée. Ok, merci. On va aller sur le site rapidement. C'est ça, on dit aux gens, c'est maintenant qu'il faut vous-même imaginer. Ici là, c'est où on peut avoir terrain ici encore. Quand tout le monde veut, on veut. J'étais déjà presque arrivé et puis la voiture a commencé. Le bruit a changé. Donc, je me suis débrouillé un peu pour au moins arriver. Ils sont en train de vivre à Bobo. Oui, à Bobo. Tout ici là, c'était un gros bas-fond. Hein. C'était une petite voie qui passait là, derrière ici. Mais aujourd'hui là, on ne peut pas. Et ici à Agboville, l'avantage c'est que c'est la plus grande ville qui est proche d'Abidjan en fait. Voilà. Benjerville, c'est devenu une commune d'Abidjan. Donc, Benjerville, c'est Abidjan. Mais Agboville, c'est une autre ville autonome. Ici, ils ont tout. Avec ces gazons là. C'est bon. Plante les arbres. Admirez un peu la beauté d'Agboville. C'est un grand boulevard, c'est comme ça Yam Sokro. Si au moins dans nos villes là il y a au moins deux voies. Oui. Pour quelqu'un qui n'est jamais vu ici, pour quelqu'un même qui a vécu ici, il voit à Agboville aujourd'hui, il va même pas reconnaître la boule. Ah. Oui. Regardez-moi tout ça là. Et les gens construisent. Et lorsque les emprises là, tout est déjà délimité, pour construire maintenant, vous n'avez pas peur. Donc, nous sommes à Agboville, hein, et là vous voyez l'état d'embassement des travaux. Nous sommes sur le grand boulevard et c'est la voie qui va à Abidjan. Voilà. Vous voyez, tous ces travaux-là du début à la fin, je vous les ai présentés. Hein, et vous-même, vous voyez déjà.
Donc c'est le moment. C'est le moment d'acheter vos terrains ici, de faire des réservations en fait. Parce que après, vous n'aurez plus ces opportunités-là. Voilà. Ça, c'est quelqu'un qui a acheté ses terrains, qui est en train de construire une station. Vous voyez? Il ne faut pas attendre que les villes-là soient vraiment développées avant d'acheter. Sinon, vous ne pouvez pas avoir de terrain. Toutes ces grosses voitures-là. Ça, c'est la nouvelle préfecture d'Agoville. Parce que tous les projets étatiques sont dans ce sens-là. Est construit, habité, c'est les lotissements là qui continuent jusqu'au fond. Les gens partout, les gens construisent. Ça, c'est le lycée de l'excellence. C'est la même chose qu'ils ont fait à Grand Bassam. Ça, ça, c'est la première phase, mais ils vont encore, il y a encore plein de terrain derrière pour compléter. Je pense qu'ils ont ouvert ça. Fait... C'est alors où vous avez vu le corridor là? C'est là, il y a quelqu'un qui a commencé à faire une clôture là. Après le péage. Non! Là, ici, il n'y a pas de péage. Ah oui, c'est le péage. Le péage, c'est à Zaguier. Voilà. Mais là, il y a un corridor des gendarmes ici. Voilà. Où il y a le gros fromager, où il y a ces fromagers là. C'est les terrains là qu'on voit comme ça. Parce que ça, c'est le village, Eri Makouge, c'est le village de l'actuel ministre de la Santé, Demba Pierre. C'est son village qui est là. Et c'est en face qu'il y a le lotissement. Dedans, tout est construit, habité jusqu'en fait. Abidjan, c'est Abidjan, il faut avoir les reins solides, mais, non, mais ce qu'on fait à Abidjan, on peut faire ça à l'intérieur. Les gars, c'est en vente que les gens disaient c'est en bout, mais ils savent que maintenant il n'y a plus de bouche. Dans 3 ans, tu as maintenant là, c'est ceux qui sont sortis qui pensent comme ça. Voilà. Sinon, tous les fonctionnaires ici là, eux tous ont les terrains. Ils ont les terrains. Quand le gars il vient 2 ans, 3 ans, il ne veut plus quitter, il achète son terrain. Déménage, il a ses maisons, mais en location. Quand c'est dégagé comme ça, là, c'est tout, c'est bon. Là, c'était un village, mais carrément qui est devenu un quartier d'Agoville. Ça, c'est un grand boulevard. Très, 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 très avantageux. Donc si vous êtes nouveau, abonnez-vous et puis activez la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos sur Télé Afrique. Donc là, on va rentrer. Il y a 2 entrées en fait, normalement, pour aller sur le site. Ici, on va prendre une voie qui va dans un village, mais on ne va pas arriver. Parce que comme les voies du lotissement, là, on ne les emprunte pas, ça fait que voilà, les herbes vont pousser. Mais là, on va prendre. Donc c'est la sortie qui est là. Ok. Oui, alors. Voilà, donc nous sommes à Agoville, hein, sur le site. Voilà, tout ça, ce sont les sites que nous avons ici à Agoville. C'est le lotissement Eddy Oyé. Tout est loti borné. Voilà, on est avec... ça, ce sont les bornes. C'est un client de Télé Afrique qui a acheté son terrain et puis c'est maintenant, c'est la première fois qu'il voit son terrain. Voilà, donc c'est comme ça. Quand c'est en brousse ici là, c'est sécurisé, vous achetez votre truc, vous êtes tranquille, quand vous êtes prêt, vous venez, vous commencez à nettoyer, vous construisez, c'est pas concurrence. C'est comme ça. En brousse ici là, vos parents, si vous avez des parents, ils peuvent pas venir visiter des terrains ici. Donc ça veut dire que vous n'allez pas avoir des terrains à bon prix. Si c'est eux là, vous êtes en Europe ou bien vous travaillez, vous voulez acheter un terrain, il faut que ça soit où il y a l'eau courante. Mais... on gagne plus haut. Donc, ça, c'est à Agoville. Pour ceux qui sont intéressés, vous nous contactez. Et puis, on va vous aider.